présentez-vous. Oui, alors bonjour, mon nom est Karine Roussy, je suis directrice générale de Jude Service Conseil en emploi, qui est un organisme qui accompagne les chercheurs d'emploi dans leur démarche d'intégration sur le marché du travail dans la région de Québec. Parfait. Et pour vous, est-ce que vous travaillez avec des immigrants, ceux qui viennent d'ailleurs? Oui, bien sûr. Environ 10 % de notre clientèle, nous, c'est une clientèle immigrante, effectivement. Nous recevons là, des gens de toutes nationalités et de tous les domaines d'emploi, principalement des résidents permanents qui sont prêts à intégrer le marché du travail immédiatement. Parfait. Et pour vous, le français, comment vous le décrivez comme critère? Est-ce que c'est important? Le français, la langue française, pour vous, c'est quoi? Oui, bien, c'est sûr qu'au niveau du français, oui, c'est très important pour s'intégrer sur le marché du travail ici dans la région de Québec. Souvent, les employeurs vont exiger un niveau d'anglais également, mais c'est encore minime, malgré tout. Donc, c'est sûr que c'est important au niveau particulièrement de notre clientèle immigrante, qu'elle soit francisée, là, pour pouvoir intégrer le plus vite possible. Nos services sont de courte durée, donc c'est sûr que nous, on va les recevoir une fois que la francisation est complétée ou du moins très avancée, mais c'est certain que pour faciliter leur intégration, là, ça va être profitable pour eux de maîtriser la langue. Puis justement, par rapport à l'intégration, qu'est-ce que vous serez prêt à faire? Est-ce que vous serez prêt à faire affaire avec des services qui font la francisation? Bien sûr, à ce moment-là, nous, quand les gens n'ont pas fait leur francisation, on va les diriger dans les organismes qui vont les accompagner. Puis après ça, ils peuvent revenir chez nous là, pour faire leur recherche d'emploi. Nous, ce qu'on va faire au niveau de l'intégration, ça va être plus vraiment de les aider à cibler les entreprises potentielles, apprendre comment se démarquer auprès des employeurs, de bâtir leur coffre d'outils. Mais c'est surtout aussi de leur faire prendre un bain québécois qui est la plus-value chez nous parce qu'ils vont côtoyer des Québécois en recherche d'emploi, donc ils vont immédiatement élargir leur réseau de contact. Parfait. Puis un seul mot pour décrire des immigrants, un immigrant. Un immigrant, en un mot, c'est une mine d'or. Mine d'or? Oui, bien sûr. Pourquoi mine d'or? Parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui arrive avec un immense bagage, avec une ouverture d'esprit qui va être une plus-value dans la société québécoise, mais également en entreprise qui va venir combler des besoins de main-d'œuvre qui sont si importants en ce moment. Parfait. Merci beaucoup, madame. De rien.